Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de Georgia O'Keeffe. Donc Georgia O'Keeffe, je l'ai rencontrée en faisant mes recherches pour ma précédente vidéo, celle sur Alfred Stieglitz. Alfred Stieglitz était le mari de Georgia O'Keeffe. Et donc Georgia O'Keeffe, c'est une artiste peintre américaine qui est née en 1887 dans une ferme du Wisconsin des États-Unis. Et j'ai trouvé sa peinture très intéressante. Et en effet, elle a été très connue dans la première moitié du XXe siècle aux États-Unis. Elle a été très connue notamment pour ses peintures et pour l'abstraction qu'elle mettait dans ses peintures. Et cette abstraction qui a toujours été plus ou moins inspirée de la nature. Et donc, Georgia O'Keeffe, elle a été véritablement considérée comme la mère du modernisme américain. Donc Georgia O'Keeffe, elle se fascine très vite pour la nature. Elle vit dans un environnement dans la campagne, dans une ferme du Wisconsin. Et donc, elle se fascine pour la peinture et pour la nature. Et donc, elle va, très jeune, peindre les fruits et les fleurs qui l'entourent, en fait, dans son environnement naturel. Donc, elle veut devenir peintre. C'est pour ça qu'elle s'inscrit à l'académie artistique. Elle suit des études d'art, en fait, pour être artiste peintre. Mais les cours, à l'époque, c'était de reproduire les peintres réalistes, pas les peintres, les tableaux réalistes des peintres européens. Donc, elle se retrouve à faire de la peinture réaliste. Et Georgia O'Keeffe apprécie le travail, la précision et que ça lui demande, mais elle ne ressent que très peu de connexion personnelle et émotionnelle avec ses œuvres. Mais à New York, elle rencontre Arthur Wesley Dow qui va l'introduire à l'abstraction. Et alors là, elle va commencer à mettre de l'abstraction dans ses œuvres. Elle part ensuite au Texas enseigner l'art et elle commence à dessiner des œuvres au fusain. Et ses œuvres se retrouvent dans les mains de Alfred Stieglitz, qui était à l'époque un galériste connu à New York. Ils ne se connaissaient pas encore à l'époque, mais ces dessins fusains se retrouvent dans les mains d'Alfred Stieglitz. Et Alfred Stieglitz décide, en 1917, de lui consacrer, à Georgia O'Keeffe, une exposition solo. Et donc, il expose dans sa galerie, Galerie 291, ses dessins au fusain, mais également d'autres peintures qu'elle avait pu faire. Et cette exposition est un véritable succès, et c'est ce qui commence à lancer la carrière d'artiste peintre de Georgia O'Keeffe, et c'est comme ça que les deux se rencontrent. Georgia O'Keeffe et Alfred Stieglitz emménagent donc ensemble à New York, puisqu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, et Georgia O'Keeffe va commencer à peindre les gratte-ciels new-yorkais. Mais elle ne va pas les peindre tels qu'ils sont, de manière réaliste, elle va les peindre tels que elle les perçoit, tels que elle les voit, et elle va donc nous donner à voir son interprétation personnelle des gratte-ciels. Donc elle va y introduire beaucoup d'abstraction, mais surtout, on va pouvoir aussi y déceler un emprunt au style de la photographie moderniste, avec une tentative de remettre le sujet, donc le gratte-ciel, au centre de l'image et comme sujet important. C'est également aussi à cette période que Georgia O'Keeffe va commencer à peindre des fleurs avec beaucoup d'attraction sur des grands tableaux qui vont devenir les œuvres pour lesquelles on retient surtout Georgia O'Keeffe aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que Georgia O'Keeffe va chercher à représenter des fleurs sur des si grandes toiles et dans des si grandes dimensions ? Eh bien, c'est parce qu'elle va essayer de, encore une fois, remettre les fleurs comme sujet majeur et important. Parce qu'en effet, qui aurait vraiment regardé ces fleurs si elles avaient été faites sur des toiles de dimension normale ? Là, ce sont des grandes toiles, des toiles dont on a pas, des dimensions dont on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas l'habitude de voir pour des fleurs, et donc ça attise la curiosité du regard et du spectateur. Mais également, on retrouve encore une fois la fascination qu'elle a donc pour la nature, toujours avec les fleurs, mais aussi pour la photographie moderniste. Parce qu'on a encore une fois le cadrage qui est particulier.
C'est-à-dire que le cadrage, elle va y apporter un grand soin, et ce cadrage va chercher à mettre le sujet en valeur. Avec les fleurs qui sont sur le côté, coupées, plus ou moins, il y a également dans ces fleurs beaucoup d'abstraction, avec un fort pouvoir de suggestion. Parce qu'en effet, quand on voit ces tableaux, au début, au premier coup d'œil, on peut ne pas vraiment savoir de quoi il s'agit. Mais si on y prête un peu plus attention, on peut avoir plus l'impression du sujet, c'est-à-dire des fleurs, qui se découvrent sous nos yeux. Et on finit par comprendre que ce qu'on voit représenté devant nous, ce sont en fait des fleurs. Des fleurs avec des couleurs très douces, très laiteuses et un aspect de la peinture très lisse. Et ce qui fait, je trouve, ce qui donne en effet, je trouve, très apaisant à la peinture. En effet, Georgia O'Keeffe ne va pas peindre les fleurs telles qu'elles, encore une fois, telles qu'elles sont, mais telles qu'elles, elles se les imaginent. Et donc, on a vraiment une évocation personnelle et émotionnelle de la nature. Cependant, à cette époque, son cercle artistique est très inspiré par les théories freudiennes. Et donc, ils vont associer à ces fleurs la représentation du sexe féminin. Et ça ne va pas aider le fait qu'elle a posé comme modèle de photos de nu pour Alfred Stieglitz, qui va exposer ses photos de nu dans son studio. Alors, ce sont des photos artistiques, mais ça va donner une image d'artiste sulfureuse à Georgia O'Keeffe. Et Georgia O'Keeffe n'est pas du tout d'accord avec, d'une part, les interprétations qui sont très influencées par les théories freudiennes que font ses collègues, mais également par cette réputation d'artiste sulfureuse. Et donc, elle va partir de New York et partir s'installer au Texas. Donc, Georgia O'Keeffe va chercher à s'éloigner de cette intelligentsia artistique qui va analyser de manière erronée ses peintures, et elle va s'installer au Nouveau-Mexique. Et elle est complètement charmée par l'aspect désertique du Nouveau-Mexique. Et donc, elle se concentre notamment, et ça se voit sur ses peintures, sur la montagne Pedernal. Et encore une fois, dans sa peinture, elle va expérimenter sur le cadrage et sur les dimensions. Donc elle va jouer avec les perspectives. Dans, par exemple, Ram's Head with Hollyhock, elle va mettre une tête, un crâne de chèvre qu'elle va suspendre plus ou moins au-dessus de la montagne. Le crâne va surplomber la montagne et notre regard va d'abord se porter sur le crâne. Et ça va être dans la peinture ça qui est important, le cadre. Les choses qui font partie du paysage, le crâne d'une chèvre morte normalement, dans les déserts du Nouveau-Mexique, on n'y porte pas beaucoup d'importance, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Mais là, elle va lui redonner une importance et le remettre face à nos yeux, face à notre compréhension et à notre regard. Et donc, petit à petit, parce qu'elle va passer le reste de sa vie au Nouveau-Mexique, séparée de Alfred Stieglitz, elle va perdre cette réputation d'artiste sulfureuse pour gagner celle d'ermite du désert. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Georgia O'Keeffe qui a vraiment été une découverte pour moi parce que je ne la connaissais pas avant. Et donc je l'ai découvert à travers Alfred Stieglitz et j'ai trouvé son travail vraiment très intéressant et j'ai été vraiment fasciné par les évolutions qui ont été marquées avec d'abord les dessins au fusain que j'ai trouvé absolument magnifiques, puis après les dessins de la ville inspirés par le modernisme américain, puis les fleurs ouais, avec un retour à la nature et enfin pour finir les abstractions des paysages désertiques. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans une vidéo de Speaking About Heart Stories.